أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا رب أجرنا من النار بعفوك وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار أيها الإخوة المسلمون لا نزال بفضل الله عز وجل نتحدث عن الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم أن يتعلمها وأن يفقهها وأن يعلم معناها وأن يعمل بها في حياته الدنيا. هذه الأصول الثلاثة هي معرفة الله عز وجل ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. إن شاء الله الشيخ خير toujours. On parle sur les trois fondements que chaque musulman doit connaître, il doit comprendre, il doit appliquer ça dans sa vie. Le premier fondement, il faut connaître Allah Azza wa Jal. La deuxième chose, il faut connaître le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La troisième chose, il faut connaître l'islam avec ses preuves. Il faut connaître la religion de l'islam avec ses preuves. Alhamdoulillah, on a commencé d'expliquer le livre. Il a commencé par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et on a expliqué cette phrase qui est la demande de bénédiction d'Allah Azza wa Jal. Quand tu dis Bismillah avant de lire, avant de boire, avant de manger, avant de sortir, est en train de demander la protection et la bénédiction et la guidée d'Allah Azza wa Jal. Anta tatlubu al-baraka wa tatlubu al-hifz wa tatlubu al-hidayata min Allah Azza wa Jal. Ba'da dhalik qal i'lam rahimaka Allah annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masa'il. Après il a commencé, il dit sache qu'Allah te fasse miséricorde qu'il est obligatoire pour nous d'apprendre quatre choses. Sache qu'Allah te fasse miséricorde. Il a commencé par un dua en faveur de celui qui écoute, de celui qui veut lire, de celui qui veut comprendre les trois fondements. Et c'est une manière douce pour attirer l'intention, pour ouvrir les cœurs à écouter les paroles d'Allah et à écouter les paroles de son prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم. المسألة الأولى العلم. La première chose que le musulman doit apprendre et doit connaître, c'est la science. Et on a expliqué qu'est-ce que ça veut dire la science. Là, la science, l'auteur de ce livre, il veut dire, il parle de la science religieuse. Il parle de la science religieuse. Mais la science, il contient beaucoup de choses. Ça peut être la science religieuse, comme ça peut être une science de dunya, comme la médecine, comme l'ingénierie, ainsi de suite. Et tout ça, c'est une science. Sauf que le musulman, quand il s'engage à étudier une science, toujours, il ne doit pas oublier Allah Azza wa Jal. Tu vas étudier la médecine, alhamdoulilah, que Dieu te facilite, que Dieu te donne le courage, que Dieu te donne l'intelligence à apprendre ça, mais toujours il faut lire et il faut apprendre ça au nom d'Allah. Qu'est-ce que ça veut dire au nom d'Allah? Ça veut dire à la fin, tu vas utiliser cette science pour s'approcher d'Allah Azza wa Jal, pour adorer Allah, pour augmenter ta relation avec Allah Azza wa Jal, pour renforcer ta relation avec Dieu subhanahu wa ta'ala. La deuxième chose, la science qui est utile pour chaque musulman. La science qui est utile pour chaque musulman, toi maintenant tu fais la prière. Alors c'est une obligation pour toi d'apprendre les règles de la prière. Tu sais
comment tu corriges ta prière si tu fais des fautes. Tu sais combien tu dois faire de rak'at al-dhuhr. Tu sais le temps de la prière. Tu sais comment faire les ablutions. Tu sais les actes qui annulent ta prière. Tu sais les actes qui annulent tes ablutions. Tu sais à quel moment tu peux raccourcir les prières. Tu sais à quel moment tu peux faire. Tu sais. Ça veut dire que tu as une idée, tu as une science qui a une relation avec la prière. Tu jeûnes le ramadan, il faut connaître les règles du jeûne. Tu veux partir au pèlerinage, il faut connaître les règles de pèlerinage. Tu veux partir pour faire Umrah, il faut connaître les règles de l'Umrah. Tu veux te marier, il faut connaître les règles du mariage religieux. Tu veux divorcer, il faut connaître les règles du divorce religieux. Tu veux... Il y a un héritage, et vous voulez partager l'héritage, il y a des règles à connaître. Alors c'est pour cela, on s'appelle ça une science obligatoire pour chaque musulman. Chaque musulman, il doit connaître ça. Ba'da dhalik, on a commencé de parler sur la science et les savants. La science et les savants et les étudiants de science. Allah Azza wa Jal, لما تكلم عن العلم والعلماء في القرآن قال سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الله تعالى il a posé une question. Il a dit est-ce que les savants ils sont pareils comme les non-savants? Il n'a pas donné de réponse. Pourquoi? Parce que la réponse elle est claire. C'est impossible. Tu ne peux pas comparer un savant avec un non-savant. On ne veut même pas dire un ignorant, mais avec un non-savant. C'est incomparable. Tu ne peux pas les comparer. Le prophète, alayhi salatu wa salam, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, daraba lana matalan ra'i'an fi fadli l'ilmi wal ulama. Il nous a donné la valeur de la science et la récompense des savants et des étudiants de science. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن العلماء هم ورثة الأنبياء وإن الفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن الله وملائكته ومن في السماوات ومن في الأرض والحوت في البحر والنملة في جحرها لا يستغفرون الله لمعلم الناس الخير. Le prophète عليه الصلاة والسلام il nous a dit celui qui trace un chemin pour apprendre la science, Allah il va lui faciliter son chemin vers le paradis. Le prophète il nous a dit que les savants ce sont les héritiers des prophètes. Le prophète alayhi salatu wassalam il nous a dit la valeur du savant sur l'adorateur c'est comme la valeur de la lune et la lumière de la lune quand elle est complète sur tous les autres étoiles. Une étoile il donne la lumière mais il donne la lumière à elle-même seulement. Mais la lune il donne la lumière à elle-même et il donne la lumière aux autres. Et c'est ça, l'adorateur, il adore Allah, il prie, mais ça reste pour lui-même seulement. Mais le savant, il est en train d'éclairer son chemin vers le paradis et aussi d'éclairer aux autres leur chemin vers le paradis. Allah Azza wa Jalla et ses anges et toutes les créatures qui se trouvent sur terre, qui se trouvent entre la terre et les cieux, qui se trouvent dans les cieux, il demande à Dieu de pardonner aux savants et de pardonner à quelqu'un qui propage le bien sur terre. Il propage le bien, il propage la parole d'Allah, il propage la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hier on a donné un exemple, ils ont dit que les savants ils sont comme des étoiles, ils ressemblent aux étoiles. Les savants de religion, ulama ud-din, كالنجوم سي كوم لي زيتوال. والنبي صلى الله عليه وسلم الى قال دو سا النبي صلى الله عليه وسلم قال النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأصحابي
أمنة للأمة فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما تعد. Le prophète عليه الصلاة والسلام, il nous a dit, les étoiles, ce sont la protection du ciel. Et mes compagnons, ce sont la protection de la terre et de la communauté. Si les étoiles disparaissent du ciel, alors le ciel peut tomber. Et si mes compagnons meurent, alors la tentation, il va toucher ma communauté. La tentation, le fitna, il va toucher ma communauté. Et c'est ça ce qui s'est passé. Quand Omar ibn al-Khattab a été tué, le fitna, il est rentré par toutes les portes. Le fitna est rentré par toutes les portes. Après le décès de Uthman ibn Affan, Ali, radiyallahu anhu, après le fitna, après, quand Ali, radiyallahu anhu, a été tué, c'est bon. C'est la grande fitna. C'est pour cela, les étoiles, on peut les utiliser. Pourquoi ? Pour trouver le chemin. Les étoiles, c'est un signe qui te montre l'est, l'ouest, le nord, le sud, qui te montre ton chemin. Aussi, les étoiles, c'est une décoration pour le ciel. Ils décorent le ciel. Et aussi, les étoiles, c'est une protection contre les diables. Les diables, ils veulent monter vers le ciel pour écouter ce qui se passe. Et les étoiles, il y a une étoile filante. On s'appelle ça l'étoile filante, Ash-Shuhu. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est en train de protéger le ciel. Aussi, les savants sur terre, c'est ça ce qu'ils font. Les savants sur terre, ils protègent les gens des pièges de Shaitan. Le savant, il va te parler sur les pièges de Shaitan. Il te dit, ça c'est l'ouswas. Ça, il faut faire ça. Il faut faire ça. Fais attention. Shaitan, il va t'inviter à ça. Shaitan, il te donne les méthodes qui sont utilisées par Shaitan pour te faire tomber dans la désobéissance d'Allah. Yubayyinu laka fikhar wa makaid al-shaytan. Al-alim ya'rifu makaid al-shaytan. Yubayyinuha lil-ummah. Yubayyinuha li'ammati al-nas. Yubayyinuha lil-saghir wal-kabir. Alors c'est comme les étoiles, ils protègent le ciel du diable, aussi le savant, il protège les gens et les musulmans du diable. Aussi, les étoiles, c'est une décoration pour le ciel, aussi les savants, c'est la décoration de la terre. Aïdan, les étoiles, ils sont utilisés pour te montrer ton chemin, aussi les savants, ils sont là pour te montrer le chemin du paradis et le chemin de l'enfer. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. Il nous a dit, le savant c'est comme la lune et l'adorateur c'est comme l'étoile. On a déjà parlé, on a dit pourquoi le prophète il a dit comme la lune, il n'a pas dit comme le soleil. Le soleil c'est plus grand et il donne beaucoup de lumière. Ils ont dit parce que le soleil, la lumière du soleil, ça vient d'elle-même. Mais la lumière de la lune, ça ne vient pas d'elle-même. La lune, il prend sa lumière du soleil. Aussi les savants, ils prennent cette science du Coran et de la Sunna du prophète alayhi salatu wa sallam. Ce n'est pas des gens qui inventent des idées, non. C'est des gens qui vont retourner vers la source. La source de la science, c'est quoi ? Al-Qur'an wa sunnat al-Nabi al-Adnan. Aïdan, fi had al-hadith, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Ça nous montre que le musulman, il doit toujours assister aux cours religieux. Quand il y a des cours religieux, quand tu ne sais pas quelque chose, et tu vois que dans une mosquée, à côté de toi, dans une salle, il y a une conférence qui parle sur un sujet, et toi tu l'ignores, tu ne sais pas ce sujet-là, alors il faut pas hésiter de venir. Allah Ta'ala daraba lana matal. Notre Dieu, il nous a donné un exemple magnifique dans le Coran. Pourquoi ? Pour nous montrer que tout le monde a besoin d'apprendre la science. الله تعالى ضرب لنا قصة موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام. موسى
هو من أفضل الأنبياء والمرسلين. موسى عليه السلام parmi les meilleurs prophètes et les meilleurs messagers. Dans son époque, un jour, Moussa عليه السلام il a fait un prêche. قام بخطبة. Et son prêche, il était touchant, il a touché les cœurs des gens jusqu'à ce que tout le monde a pleuré. كل الناس بكوا وخشعوا بكلام موسى عليه السلام. فجاء رجل من أتباع موسى فقال له يا موسى يا كريم الله هل يوجد أحد على الأرض أعلم منك؟ Un homme parmi les gens qui ont assisté au prêche de Moussa, il est parti voir Moussa alayhi salam, il a dit, « Ya Moussa, est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît mieux que toi sur terre? T'es le premier savant, t'es le meilleur savant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait mieux que toi, plus que toi ?» Il a dit, « Non, il n'y a personne. » Qala, là, il n'y a personne. Alors Allah Ta'ala, il veut éprouver Moussa alayhi salam. Il lui a dit, ya Moussa, takallama ma'a. Allah Ta'ala, il va lui parler. Il lui a un homme qui se trouve dans tel endroit. Il a une science plus que toi. Il sait des choses. Il connaît des choses que toi, tu ne sais pas. L'an, Moussa alayhi salam, qu'est-ce qu'il va faire? C'est bon. Il a dit, ya Allah, indique-moi où je peux trouver cette personne. Pourquoi? Je vais étudier chez lui. Je vais voyager. Pourquoi? Pour apprendre cette science. Ça usafir, ça arhalu, ça adhabu ilayh. Ou Moussa, il est mieux que le khidr à 100%. Il n'y a pas de parole. Moussa alayhi salam, il est mieux que le khidr. Sauf que cet homme-là, Dieu lui a donné une science spéciale. Il lui a donné une science spéciale. Moussa, il ne sait pas cette science. Moussa, il connaît beaucoup de choses. Allah Ta'ala يقول في القرآن الكريم وكتبنا له في الألواح من كل شيء وكتبنا له في الألواح من كل شيء. Allah Ta'ala, il a écrit la Torah, les ardoises à Moussa alayhi salam. Il lui a donné la science de toutes choses. Ça veut dire Moussa, il connaît la Torah par cœur. Et la Torah a été écrite par Allah Azza wa Jal. Wa ma'a dalik, Dieu, il a dit à Moussa, il lui a dit, il y a un homme, il sait des choses que tu ne sais pas. Moussa alayhi salam, il n'a pas dit, c'est bon, ya Allah, donne-moi ce que tu as donné à celui-là. Il peut faire ce dua-là. Est-ce qu'il peut faire ou il ne peut pas faire? Ya Allah, donne-moi la science que tu as donné à cette personne. Et ça suffit, il reste chez lui. Non. Il a dit, indique-moi où je peux le trouver. فَقَالَ لَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ اِذْهَبْ إِلَى مَكَانِ فُلَانِ وَعَلَامَتُهُ أَنْ تَأْخُذَ مَعَكَ حُوتًا. Il a dit, tu vas prendre un poisson avec toi. Et le poisson, ce n'est pas un poisson vivant. Un poisson, c'est bon. طَيْبْ مَشْوِي حُوت مَشْوِي. C'est bon. Tu vas le cuire et tu vas le laisser dans un récipient. Et le moment où tu perds ce poisson, l'endroit où le poisson il va sauter, il va partir, alors tu vas trouver mon serviteur dans cet endroit. Et c'est ça ce qui s'est passé. Quand Moussa alayhi salam, il a perdu le poisson, Dieu il a redonné la vie à ce poisson, ainsi. Et quand le poisson a sauté dans la mer, Allah Ta'ala, il a fait geler cet endroit. L'endroit où le poisson est tombé, c'est bon, le poisson, il ne peut pas bouger. Il est resté sur place. Pourquoi? C'est comme Allah Ta'ala, il a gelé cette partie de la mer. Comme ça, Moussa alayhi salam, quand il va retourner, il va trouver le poisson et il a trouvé le khidr alayhi salam. Et cette histoire, il est bien expliquée dans Sahih al-Bukhari. Dans Sahih al-Bukhari, vous allez trouver vraiment l'histoire qui est expliquée. Moussa alayhi salam, dahab ila hadha ar-rajul, il s'est rencontré avec cet homme. Faqala lahu Allah ta'ala, il dit,
فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه من لدنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا موسى عليه السلام il a dit est-ce que je peux te suivre pour apprendre la science qui t'a donné Allah Azza wa Jal moi je vais te suivre maintenant Moussa il est mieux que le Khidr wa ma'a dhalik qu'est-ce qu'il lui a dit moi je vais te suivre c'est toi le patron c'est toi il y a des fois des gens il veut apprendre quelque chose mais avec orgueil il veut apprendre mais avec orgueil moi non c'est pas ça فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المتكبر والمستحي لا يتعلمان l'orgueilleux il pourra jamais apprendre et aussi le timide quelqu'un qui est timide il pose pas de questions il sait pas mais il est timide de poser la question ça celle-là c'est une pudeur mal placée c'est une pudeur هذا حياء مذموم لا يقبله الله ولا يقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك الانسان il sait pas quelque chose il pose la question tu sais pas ça tu poses donc mais nous on n'est pas timide dans les choses de dunya si tu veux écrire un courrier et tu sais pas l'écrire tu veux l'envoyer à ton entreprise à ton patron tu vas demander qui sait écrire tu vas demander à tout le monde Barakallahu fik est-ce que tu peux m'écrire un courrier est-ce que tu sais tu demandes à tout le monde mais tu sais pas corriger ta prière tu demandes à personne tu vas faire de tu vas faire au hasard comme ça c'est bon, c'est pas bon فلذلك موسى عليه السلام il nous a montré sa modestie avec le savon avec cet homme قال له هل أتبعك je vais te suivre على أن تعلمني مما علمت رشدا la réponse de cet homme قال إنك لن تستطيع معي صبرا lui a dit tu ne peux pas patienter avec moi pourquoi il lui a dit ça parce que Khidr il sait que Moussa il a une science عنده علم ولكن les choses qu'il va faire Khidr ils sont bizarres ils sont contre la science de Moussa ils sont qui ils sont contre la science de Moussa alayhi salam c'est des choses qui sont c'est comme maintenant quelqu'un il a jamais étudié le maths ou bien il a jamais étudié la médecine et quelqu'un il va parler du maths et des équations il va parler ça et lui il a jamais entendu ça comment il va est-ce qu'il va comprendre ça même si lui par exemple c'est un savant professionnel de la langue arabe professionnel mais il a jamais étudié le maths et quelqu'un il va lui parler du maths devant lui comment il va dire mais qu'est-ce que tu fais toi qu'est-ce que tu es en train de raconter et lui il est en train d'appliquer des règles et c'est un professionnel aussi mais lui ça lui a paru bizarre كذلك موسى عليه السلام c'est pour ça il lui a prévenu il lui a dit إنك لن تستطيع معي صبرا tu ne peux pas patienter regardez la réponse écoutez la réponse de Moussa Moussa il veut apprendre c'est bon قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال tu vas me trouver si Dieu le veut regardez l'anbiya c'est un prophète il sait qu'est-ce qu'il sort de sa bouche Magash tu vas me trouver parmi les patients je vais patienter non il a dit Inch'Allah qu'est-ce qu'il a dit Inch'Allah c'est la même parole qui est sortie de la bouche de Ismaïl quand Ibrahim il a dit à son fils je vais t'égorger qu'est-ce qu'il a dit Ismaïl قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين il a dit ستجدني إن شاء الله Ibrahim il veut égorger son fils il lui a proposé il lui a dit je vais t'égorger qu'est-ce que tu penses il a dit fais ce que Dieu t'a ordonné et tu vas me trouver si Dieu le veut parmi les patients il n'a pas dit tu vas me trouver fort je vais patienter non toujours il rajoute Inch'Allah toujours si Dieu ne veut pas tu ne pourras pas patienter
كذلك هنا موسى عليه السلام قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Il y en a certains qui disent pourquoi Ismaël alayhi salam il a réussi l'épreuve et Moussa alayhi salam pourquoi il n'a pas réussi l'épreuve. Ismaël alayhi salam lui il a mis Jama'a, pluriel, tu vas me trouver parmi les patients. Moussa il a dit que lui il va me trouver parmi le patient, lui il a mis singulier. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il a fait qu'il n'a pas réussi l'épreuve. Inch'Allah, on va arriver pour faire cette comparaison. C'est pas notre sujet. Sauf que, moi, le plus important, c'est que la réponse de Moussa, il était une réponse d'un étudiant, d'un élève qui est débutant. Lui, c'est un savant. C'est le meilleur savant. Il est mieux que son professeur. Moussa, alayhi salam, maintenant, il est mieux que son professeur. Ça, il n'y a rien à dire. Moussa, c'est le messager de Banu Israël à son époque. C'est le meilleur messager. C'est parmi les 5 meilleurs messagers. Wa ma'a dalik, regardez sa modestie. Regardez son comportement avec quelqu'un qui a une science plus que lui. Il lui dit, je vais te suivre. Satajidouni insha'Allah min sabi. Madaqal, après, wa la a'si laka amra. Et je ne vais pas te désobéir. Si tu me dis, fais ça, je vais le faire. Si tu me dis, ne fais pas ça, je ne vais pas le faire. Wala a'sayraka amra. Et on va s'arrêter là, inshallah, azza wa jal. Et le week-end prochain, inshallah, on va continuer cette belle histoire qui nous montre la valeur des savants et comment l'étudiant il doit se comporter pour qu'il profite de cette science. اللهم علمنا ما ينفعنا فنفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Vingt-cinq, ça fait 25.